présenter, s'il te plaît? Je suis brésilienne, mais pas tant. Et tu es professeure de français au Brésil. Comment as-tu appris à parler aussi bien notre langue? Je commençais quand j'avais 13 ans. Mon père m'a motivée parce qu'à l'époque, je voudrais étudier les droits. Et pour les droits, c'est bien de savoir parler français. À 17-18 ans, j'ai décidé de faire des cours de lettres. Entre toutes les langues, j'ai choisi le français. Et où travailles-tu à présent? Je travaille à l'Alliance française de Porto Alegre et dans une école privée qui s'appelle ACEL. Que penses-tu de Montpellier? C'est une super ville avec pas mal de choses à faire. Il y a des belles promenades à faire, un bon transport public, on peut se promener à pied, on peut prendre des trams. Les gens sont gentils, je me suis sentie très bien accueillie dès le début de mon séjour. Et pour moi, que je viens d'un pays où il y a beaucoup de soleil, c'est une région avec beaucoup de soleil et des températures agréables, même en hiver. Et que penses-tu de l'école Accent Français? C'est une super école, j'ai beaucoup aimé mes professeurs, je voudrais remercier Olivier et Virginie. Ils ont su vraiment mélanger la question de la culture de la région et la grammaire. On a fait des activités variées. Pour ceux qui veulent apprendre le français, je pense que c'est l'ambiance idéale. Et donc, est-ce que tu recommanderais Accent Français? Oui, pour les étudiants qui veulent venir apprendre le français ou qui savent déjà le français. Accent Français qui s'occupe de l'hébergement, il y a pas mal d'excursions pour connaître la région. Le professeur de français, il sait vraiment mélanger les questions de culture et les grammaires. On rigole beaucoup en salle de classe, on apprend en s'amusant, je dirais. Pour le professeur qui veut venir améliorer la technique des salles de classe, il peut venir en groupe d'une manière individuelle. Je pense que le plus intéressant, c'est qu'il peut venir une semaine ou deux. Il y a une partie de cette préparation. Je pense que c'est différent avec un français. Ça va être avec un professeur. Donc, on va avoir vraiment quelqu'un qui sera là pour nous, pour qu'on puisse poser nos questions et échanger la manière dont on organise notre classe. Merci, Tizi.